Bombo. Le jeu a repris. Et c'est le Congolais qui adresse une passe à Peter Matt. Placard vers Mbombo qui n'est pas signalé en position hors jeu. Il fait face à son adversaire gardien et l'ouverture du score. Paul Nardi battu. 1-0, 11e minute pour le Vercier de Rate. Ça s'est joué très rapidement et Mbombo qui célèbre son premier but de la saison sous la vareuse des mauvais blancs. Mbombo. Mbombo, oula, le tacle de Koné dans son dos, c'était limite. Peter Matt, le jeu se poursuit pour le Berscott. De Jong en possession, son centre, il est pas mauvais, on se regarde un peu. But contre son camp, but contre son camp de Koné. Quelle mésentente dans la défense du cercle de Bruges. Le centre de Jong, il est vrai, était mais très dangereux. La preuve, il a créé la pagaille, la zizanie dans la défense des Verts et Noirs. Et Koné, complètement surpris. Il hésite, il se la joue au solo. Il pousse son ballon un peu loin, le contre-heureux vers Vanift, la talonnade intelligente vers De Jong. Il y a un blessé du côté du cercle de Bruges, le jeu se poursuit pour autant. Et Messoudi qui reprend, Nardi qui intervient, deuxième ballon Messoudi, c'est dégagé une nouvelle fois. Le corner, Krizan qui dévie, mais le ballon qui finit au fond des filets. Et oui, la réduction du score. La réduction du score, c'est Gianni Bruno qui marque pour le cercle de Bruges alors qu'il reste moins de 8 minutes avant la fin du temps réglementaire. Koné. Le ballon, l'appel de Cardona dans le grand rectangle qui remise. Oh, la superbe égalisation! La superbe égalisation de Cardona! Incroyable, cercle de Bruges qui revient au score en l'espace de 3 minutes seulement. Mais quel but de Cardona! Magnifique! Bruno, Bruno vers Gaspard, son panique dans la défense adverse, Mas qui ne parvient pas à attaquer Gaspard, il va remettre un centre et même un tir, deuxième ballon, et le troisième but pour le cercle de Bruges, Benjamin Lambeau qui fait 2-3, c'est incroyable ce qui se passe, c'est vraiment incroyable, en l'espace de 5 minutes le cercle de Bruges qui reprend l'avantage dans cette partie alors qu'ils n'ont strictement rien montré les hommes de Frank-Iver Cotteren. Ils donnent tout ce qu'ils ont en fin de match pour tenter d'aller arracher l'égalisation. Le centre et deuxième poteau, Placa qui remet dans le paquet, la tête de Losada derrière sur la transversale.